Nous sommes dans la fabuleuse dépression de l'Afar, dans la corne de l'Afrique orientale. L'horizon, mieux que n'importe où au monde, montre la structure de ce qu'on appelle un rift océanique, l'endroit à partir duquel les fonds océaniques s'engendrent. Et de part et d'autre du fossé central, les immenses gradins qui attestent de la structure effondrée de tout cela. L'Afar, la dépression de l'Afar, entre le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden. L'Afar, dont les fonds vont de 155 à 120 mètres sous le niveau de la mer, par endroits entièrement occupés par d'immenses plaines de sel. Sel qui a jusque 7000 mètres d'épaisseur et dont, avec des techniques venues tout droit des âges préhistoriques, et depuis des milliers d'années, depuis la reine de Saba, on exploite les couches superficielles, ce sel qui après, à d'autres chameaux, s'en va dans toute l'Afrique orientale. Un vol de flamants roses sur le lac Abbé. Le seul endroit où coule un fleuve à travers ce désert de 500 km de côté. Le fleuve Awash, qui va se perdre dans les eaux saumâtres du lac Abbé. Et la merveilleuse population des nomades Afar. Ou nomades d'Anakil. Le rift océanique, le rift qui engendre des fonds océaniques nouveaux. L'Afar est un fond d'océan, tout jeune océan qui n'a que 20 millions d'années d'âge, et océan miraculeusement exondé, océan sans eau, quoique étant sous le niveau de la mer, parce que, miraculeusement aussi, une chaîne de montagnes le protège de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Et au milieu de l'Afar, l'un des plus extraordinaires volcans du monde, l'Erta Ale. Erta Ale qui signifie, en langue d'Anakil, la montagne qui fume. L'Erta Ale, l'un des trois seuls volcans actuellement connus pour receler en permanence un lac de lave en fusion. Les deux autres sont le Nyiragongo, Zaïre, et le mont Erebus, dans l'Antarctique. Le fond du golfe d'Aden que l'on voit là-bas et qui s'appelle ici le Goubet El Kharab à l'ouest de Djibouti par des pistes incroyables. Nous essayons de gagner le point le plus bas en altitude de tout l'Afar, le lac Assal, à 155 mètres sous le niveau de la mer que vous voyez au fond. Salle que voilà à une demi-douzaine de kilomètres encore de distance.
Nous sommes ici vraiment sur l'axe du rift, à l'endroit même où la Terre, où l'écorce terrestre est à son extension maximale et où elle casse de temps à autre en donnant des fissures ouvertes par lesquelles monte le magma qui vient faire éruption à la surface et qui maintient les lèvres des fissures écartées, les empêche de se refermer jamais et donc progressivement repousse de plus en plus loin ce qui se trouve à l'est de ce qui se trouve à l'ouest. C'est cela qui est à l'origine de l'expansion des fonds océaniques. Nous sommes ici en plein sur un fond océanique, sur l'axe même à partir duquel ce fond océanique-ci, Mer Rouge, Golfe d'Aden, est en train de se former et qui repousse l'Arabie vers l'est et l'Afrique vers l'ouest. Et nous avons, de part et d'autre, les énormes escaliers de l'est, les énormes marches d'escalier de l'ouest qui descendent en gradins successifs vers ce centre, vers cet axe du rift. Et je ne connais pas au monde un seul endroit où l'on puisse mieux voir cette structure, cette tectonique, comme nous disons en géologie, absolument fondamentale de l'écorce terrestre. Parce que partout ailleurs, sauf en Islande, où ce n'est pas aussi net, aussi flagrant qu'ici, partout ailleurs dans le monde, et sur plus de 60 000 km de longueur, cet axe de rift médio-océanique se trouve, comme son nom l'indique, dans les océans, sous les océans, donc recouvert par des kilomètres d'eau, mais on ne peut pas le voir. Entre le lac Assal, là-bas au fond, et cette mer qui est à 6 km à peine derrière nous, un jeune fond océanique. Un jeune fond océanique fait de roches sédimentaires déposées par les eaux de la mer, dans les eaux de la mer, lorsque ces eaux étaient encore là, et des roches volcaniques, celles qui forment par leur extrusion le fond des océans. Un rift à l'air libre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est une des structures essentielles, originelles de la planète et que dans un cas comme celui de la Phare, ce rift étant extrêmement jeune, dans un pays extrêmement aride, c'est un désert, les structures originelles ne sont pas altérées, ou pratiquement pas, par l'érosion. Et on voit vraiment comment la Terre se construit. C'est étonnant. Elle est là-bas, construite par une série de fractures parallèles, parallèles entre elles et parallèles à la Mer Rouge, puisque la Phare, c'est un morceau de la Mer Rouge, un peu sur le côté et exondé. Ces fissures, elles ont un rejet, c'est-à-dire qu'un compartiment est plus bas, plus haut que l'autre, rejet qui peut aller de quelques centimètres à 900 mètres de dénivelé. Et l'ouverture de ces failles est de quelques millièmes de millimètres, c'est pas visible, on voit juste la ligne. Quelques millimètres, quelques centimètres et parfois plusieurs mètres. Mais est-ce qu'on peut mettre les pieds de chaque côté du rift, avoir un pied dans une plaque et l'autre dans l'autre? Pratiquement on le pourrait, oui. Parce que là où, dans la partie la plus creuse, la fissure centrale est bien marquée, n'est pas cachée par des coulées de lave, elle n'est pas cachée par une dune de sable, elle n'est pas cachée par des projections de volcans, elle est bien visible dans le basalte, c'est ouvert, et on peut mettre un pied en Afrique et un pied en Arabie.
Et en ce qui concerne les affares, comment a-t-on mesuré l'éloignement des plaques? Eh bien, on l'a mesuré tout d'abord de façon indirecte, comme pour toutes les plaques tectoniques, en mesurant l'âge des roches les plus anciennes constituées par cette expansion de fond océanique à partir du rift et la distance qui sépare les deux bords. Sur l'axe même du rift, ainsi au lac Assal, au lac Abbé, du côté de l'Ertaalé, nous avons découvert que l'âge des roches est pratiquement nul. Nul géologiquement parlant, c'est-à-dire en comptant comme unité le million d'années. Et puis alors, nous avons eu la fortune exceptionnelle, unique au monde à ce jour, nous sommes extrêmement favorisés, de pouvoir mesurer directement un de ces écartements. Quand nous avons découvert la nature véritable de l'affare, nous nous sommes dit, un de ces jours ici, ça va s'élargir brusquement, parce qu'en réalité, les efforts colossaux qui écartent les plaques l'une de l'autre jusqu'à ce que ça casse, agissent continuellement, mais le roc, il résiste, il est mécaniquement dur et il résiste à l'étirement. Jusqu'au moment où l'accumulation de ces efforts qui s'exercent sous l'écorce terrestre, dans la sténosphère, dans le manteau supérieur, quand l'accumulation de ces efforts arrive à dépasser tout à coup le seuil de résistance mécanique des roches, et les roches cassent. Les roches donc cassent et les lèvres des fractures s'écartent. Lorsque cet écartement est suffisant, le magma s'injecte et des éruptions se produisent. Dans la dépression de l'affare, la jeunesse extrême du relief, des roches, des cratères, des coulées de lave, cette jeunesse nous avait convaincus qu'un événement tellurique allait se produire dans un avenir rapproché. Par-delà le lac Assal et sa berge de sel gemme, on voit fort bien la structure en gradin basculé, structure tout à la fois de soulèvement et d'effondrement. Puisque nous étions certains que le rift allait jouer dans les années à venir, et vraisemblablement avant l'an 2000, nous étions en 1970, il fallait faire ou faire faire le nécessaire pour observer le phénomène et surtout pour le mesurer. J'avais réussi à convaincre de cela le directeur de l'époque de l'Institut de physique du Club de Paris, Georges Joubert, qui a cru et qui a fait installer un réseau de sismographes pour enregistrer, étudier, analyser tous les chocs sismiques qui ne peuvent manquer d'accompagner un tel phénomène. Et j'ai convaincu également le directeur de l'époque de l'Institut géographique national, l'IGN, Georges Laclaver, pour qu'il couvre d'un réseau de bornes géodésiques toute cette vaste région. On compte à peu près 200 km², 250 km², ce qu'il a fini par faire. Ça coûte tout de même très cher, n'est-ce pas? Ça a été un très dur travail sur le terrain. Je te dis, c'est l'endroit le plus chaud du monde à cause de la latitude tropicale, du climat sec et du relief négatif. Le lac Assal est à moins 155 mètres. Et les gars qui ont fait ça, les gars de l'IGN, conduits par Henri Dréchaud, ont fait un travail formidable dans l'hiver 72-73. Et ils ont mesuré au géodimètre laser les distances entre toutes les bornes de ce réseau géodésique. Ça, c'était le point A. Le point B, c'était d'attendre que quelque chose se passe, et puis de refaire les mesures. Et quelque chose s'est passé. Et la chance formidable, c'est que le quelque chose s'est passé non seulement alors que nous étions encore vivants, mais alors que nous étions, moi le plus vieux de la bande, j'étais pas encore tout à fait gâteux. Ça s'est passé 5 années plus tard. On a eu une chance folle. En novembre 78,
La Terre s'est brutalement ouverte avec une crise sismique bien sûr violente, et elle s'est ouverte tellement, on l'a mesuré après, c'était environ 1,80 m, donc c'est comme ceci, toute une série de failles parallèles, et par la plus large d'entre elles, le magma fondu qui était en dessous est monté et est venu faire éruption à la surface. Alors j'ai donné un nom à ce volcan, je l'ai donné d'après le nom du lieu dit qu'il y avait sur la carte, tout près du lac Assal, c'est là que l'éruption s'est produite, et j'ai baptisé le volcan Ardukoba. L'Ardukoba apparaît comme un volcan terrestre. Pourtant, il se situe près de 120 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors est-il terrestre ou sous-marin ? Eh bien, c'est un volcan qui se trouve sur un fond océanique, un fond d'océan. Il est sous le niveau de la mer. Mais ce fond d'océan est miraculeusement, pour le moment, exondé. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est un volcan sous-marin, mais dont l'activité n'est pas du tout celle d'un volcan sous-marin qui explose dans la mer, mais celle d'un volcan subaérien qui fait ses explosions dans l'atmosphère. Cette éruption accompagnait une expansion locale de fonds océaniques. Elle s'était déroulée à 130 mètres sous le niveau de la mer, et cependant à l'air libre. Lorsque cela se passe sous l'eau et sous une épaisseur d'eau suffisante pour empêcher le gaz éruptif de faire explosion, les choses sont tout à fait différentes. Le magma sort de façon paisible. Il s'accumule en coulées caractérisées par des formes arrondies et on les appelle des laves en coussin ou en anglais pilo lava. Dès que la pression de l'eau ne suffit plus à contenir les gaz éruptifs, ceux-ci font explosion et déchirent la lave en lambeaux. Au contact de ce magma à plus de 1100 degrés, l'eau est instantanément vaporisée et les bulles qui le peuvent s'échappent. Par contre, celles qui sont piégées par-dessous éclatent avec violence et fragmentent le lambeau, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit réduit en poussière et jaillissent alors de la surface de la mer les impressionnants jets de cendres noires parce que trempées, qui fusent à plus de 1000 km à l'heure au départ, jusqu'à bien plus de 1000 mètres d'altitude souvent. Et de ces millions de mètres cubes de cendres chaudes gorgées d'eau de mer se dégagent, dès que leur température descend suffisamment, les tourbillons immaculés de vapeur blanche. En vérité, ce n'est pas de la vapeur, laquelle est transparente, mais des nuages de microscopiques gouttelettes. Et à la pointe de chacun de ces jets, plus rapide que les poussières et les sables, se trouve une bombe volcanique relativement volumineuse. Et le tout retombe en une grêle impressionnante. Impressionnante surtout pour celui qui s'aventure dans ces nuées de cendres noires. Cendres qui retombent sur la mer et puis descendent dans l'eau pour aller se déposer sur le fond où, en couches successives, elles édifient progressivement autour de la bouche un cône volcanique. Ces volcans sont tous nés sous la mer, sur le fond de l'océan en réalité. Et ils se sont formés par l'accumulation de ces produits tout à fait spécifiques de l'éruption sous-marine, que nous appelons d'un terme barbare, qui est yaloclastite. Yaloclastite, ça vient du grec, yalos, qui veut dire vert, clastène, cassé. C'est du vert cassé. Le vert, c'est le vert volcanique. C'est la lave qui n'a pas eu le temps de cristalliser. Et qui, dans ce phénomène, est lancé par le cratère qu'on voit là-bas au fond, il était ouvert sous la mer à l'époque. Les vents emportent ces cendres, et ceci explique pourquoi tant d'îles, les éruptions de ce genre, sont asymétrique. Ainsi,
au fin fond du golfe de Tadjoura, qui est lui-même le prolongement occidental du golfe d'Aden, l'île du diable. Vous voyez ici les couches successives. Chaque couche, c'est une explosion. Et il y a parfois 3, 4, 5, 6 explosions par seconde. Épaisse de quelques centimètres à peine, chacune de ces couches correspond aux retombées d'une explosion. Elles sont à proprement parler innombrables. La couleur brune provient d'une oxydation et d'une hydratation des minéraux ferreux et ferriques de la roche basaltique, d'autant plus poussée que les éléments sont plus fins. Et la poussière dioclastique est donc fauve et le basalte non transformé est noir. Marine a recouvert les hyaloclastites claires d'une croûte superficielle foncée qui enrobe l'île comme l'aurait fait une crème déversée par-dessus. L'érosion, celle du vent, parfois chargée de sable, celle des pluies, rares mais violentes comme dans tous les déserts, et celle de la mer, l'érosion a détruit de larges pans de cette carapace sombre. L'île du diable, bien jeune cependant, a été profondément faillée déjà par d'impressionnantes fractures, chacune témoin de l'activité tectonique du rift de la Fare. Après avoir arraché la croûte superficielle, les vagues affouillent les hyaloclastites plus tendres, y creusent des cavernes, sur le devant desquelles pendent des restes de l'ancienne écorce superficielle. Ces innombrables, c'est le mot, innombrables volcans sous-marins, ces monts sous-marins qui ont de quelques dizaines de mètres probablement jusqu'à plusieurs milliers de mètres de hauteur depuis le fond de l'océan jusqu'à l'endroit où ils se sont arrêtés de croître parce que l'éruption s'est arrêtée. On les appelle des guyots du nom d'un géologue suisse qui s'est occupé de cela. Ce sont des monts sous-marins, les Anglais les appellent sea mounds. Et on ne sait pas combien il y en a, parce que les gros, on les a repérés par éco-sondage, mais les petits, évidemment pas. Eh bien, nous avons eu le privilège tout à fait extraordinaire, en 1967, 68 et 69, de découvrir dans la dépression de la Fare, qui, comme on le sait, est un fond sous-marin miraculeusement exondé, à l'air libre pour le moment, nous avons découvert un et puis un deuxième guyot, un volcan né entièrement fait sous la mer. Et au lieu de les connaître par éco-sondage, nous sommes allés dessus. Et cela nous a permis de découvrir que cette forme tronconique ne résultait absolument pas de l'arasion d'une île, mais était originelle, que les couches qui forment les unes au-dessus des autres ces monts tronconiques, elles font ça, elles se continuent, elles passent sans discontinuité d'un flanc à l'autre, tout le flanc est la même couche qui recouvre également le sommet. Mais pourquoi t'attaches tant d'importance aux guyots ? Savoir que les guyots n'ont jamais été des îles, ils ont toujours été sous-marins, importe pour deux raisons majeures. La première, et que chercher la vérité des choses est l'objectif premier, l'objectif même de la science. La deuxième est que savoir que le niveau des mers n'a pas pu varier de plusieurs milliers de mètres, pas plus que les guyots n'ont pu par subsidence s'enfoncer d'autant, est scientifiquement autrement satisfaisant que le contraire. Thank you.
Les coraux sont des animaux marins, famille des sélentérés, qui ont la particularité de vivre fixés comme des plantes. Ils ont un squelette calcaire qui demeure sur place après la mort de chaque individu et les enfants coraux croissent sur les squelettes de leurs ancêtres. Pour vivre, il leur faut une eau chaude, pure et bien aérée et de la lumière. Lorsque le sommet d'un guyot atteint les derniers mètres supérieurs de la mer et que les eaux marines y sont propres et suffisamment chaudes, des coraux se fixent dessus. Et comme il leur faut des eaux bien oxygénées, ils se fixent de préférence sur le pourtour, là où les vagues éventuellement brisent et aèrent les eaux. Ainsi naissent les atolls, et c'est pourquoi ils sont circulaires ou ovales. Comme les guyots constituent une charge quelque peu anormale sur le fond de l'océan, ils s'enfoncent peu à peu, par subsidence, au long des durées géologiques. Et les coraux, qui eux ont besoin absolu de lumière et d'oxygène, prolifèrent vers le haut à mesure que leur support volcanique s'enfonce. Outre les atolls, les coraux construisent aussi, le long des îles, des récifs frangeants, le long des côtes. Et lorsque ces îles s'enfoncent, peu ou prou, les récifs frangeants, croissant verticalement durant cette subsidence, se transforment en récifs barrières. J'ai eu la bonne fortune de faire connaissance longuement avec tout cela. Oh, il y a longtemps déjà, c'était en 59. En 59, lorsque mon ami Pierre Antonioz m'avait demandé de le relayer dans la poursuite de la recherche de la boussole et l'astrolabe, les deux bateaux de la Pérouse, qui avaient disparu en 1788 et que l'on ne retrouva qu'un demi-siècle plus tard sur le récif barrière de Vanikoro. Deux ou trois expéditions de la Marine nationale ramenèrent par la suite des tonnes de vestiges, des canons, des ancres, des chaînes, que sais-je. Et puis un jour, on ne retrouva plus l'épave. Des coraux l'avaient recouverte. Ce ne fut qu'en 1958 qu'Antonioz la redécouvrit. Empêché l'année suivante d'en reprendre l'exploration, il m'en confia la responsabilité. À Vanikoro, à 5 milles au large de la côte ouest de l'île, une passe s'ouvre dans le récif barrière. C'est là qu'en 1788, l'astrolabe s'était perdu. Pendant un mois entier, nous avons plongé sur l'épave couverte de coraux et avons fini par en remonter près de 10 tonnes de ce que je ne puis appeler autrement que des reliques, des ancres, des
canons de bronze, des boulets de fonte, des clous et même un rouble d'argent. La Pérouse, en effet, quelques mois auparavant, avait fait une très longue escale à Petropavlovsk, au Kamtchatka russe. Un très vieil indigène, qui s'appelait Wewo, nous a spontanément raconté ce que personne, hors les insulaires, ne savait jusque-là. Je veux dire les péripéties du double naufrage, celui de l'astrolabe et celui de la boussole. Et il nous a conduit sur la côte sud de l'île, sur les lieux où s'était perdue la boussole, sur les lieux où ses ancêtres avaient tué et mangé tout l'équipage. Enfin, presque tout l'équipage, car ils avaient enseveli sous un tumulus de pierres coralliennes, les corps des marins qui avaient cherché à échapper au massacre en s'enfuyant à la nage et s'étaient noyés. Rejetés sur la rive, leur corps n'était plus comestible. Ayant ainsi passé à Vanikoro 4 semaines dans l'intimité de la fin désastreuse de l'expédition de la Pérouse, je me retrouvais par le plus étonnant des hasards sur les lieux mêmes où la Pérouse avait connu la première des 3 catastrophes de son périple. C'était en Alaska, de l'autre côté du Pacifique. Suite à un séisme colossal, une vague haute de 600 mètres s'était, disait-on, abattue sur le rivage de la baie de Lituya. Mais dès que, du petit avion que j'avais affrété, j'aperçus cette baie de Lituya, je reconnus la baie des Français, le port des Français, découvert par la Pérouse en 1786, et où un naufrage, demeuré pour lui inexpliqué, avait englouti 2 de ses chaloupes avec une 20aine de ses compagnons. Je retrouve la baie des Français, je retrouve la Pérouse à son premier malheur, alors que je venais de son malheur ultime là-bas. Et là, à la baie des Français, aujourd'hui appelée Lituya Bay, d'après le nom indigène, à Lituya Bay, effectivement, on le voyait très bien, la trace laissée par cette lame gigantesque seulement 4 années auparavant, le roc était décapé. Non seulement il n'y avait plus de forêt, la forêt avait été balayé, mais il n'y avait plus de terre. La terre, l'os de la terre apparaissait, le roc apparaissait, balayé par cette lame qui avait jailli jusqu'à 600 mètres de haut. Cette image date de 1983, 25 années après l'événement. Et la végétation, déjà, a recolonisé les pentes. Mais vous pouvez distinguer encore très nettement la différence entre le vert sombre de la forêt au-dessus de la côte atteinte par la vague gigantesque, 600 mètres au départ, et qui décroissait rapidement vers la gauche, vers l'océan. J'avais lu entre-temps le récit du géologue américain qui avait étudié la chose, et j'ai pu vérifier que ce qu'il disait était la vérité. Ce qui s'était passé, c'est que au cours de ce très violent tremblement de terre, une dalle, mais colossale, une dalle qui faisait des millions de mètres cubes, qui avait au moins 1 kilomètre de côté sur 100, 200, 300 mètres d'épaisseur, quelque chose d'absolument colossal,
s'était détaché de la paroi du mont Crillon, avait glissé, s'était abattu dans la baie, touchant à la fois l'eau et la langue du glacier, de l'un des glaciers qui y arrive. Nous avons retrouvé deux des quatre rescapés de cette incroyable aventure, Howard, capitaine au long cours, et son fils. Avec eux, nous sommes retournés à la baie des Français et, sur les lieux mêmes, Howard nous a raconté. Nous étions dans la baie, revenus de l'océan vers 8 heures du soir, après une journée de pêche. Nous étions ancrés dans cette zone là-bas. Après avoir dîné, nous étions couchés. Vers 10 heures du soir, nous sentîmes une secousse très violente. Ça faisait du bruit dans le bateau. Comme il y avait eu un tremblement de terre ce jour-là, je compris qu'il s'agissait d'une nouvelle secousse. Sur un bateau, on sent très bien qu'il s'agit d'un tremblement de terre. On a l'impression que quelque chose cogne sur le bateau. Je n'étais pas trop inquiet, mais je me lève pour voir et je réveille mon fils, qui avait 8 ans. He was 7 at that eight years old. Yes. Yeah. And he didn't get up the first time. Je suis monté pour regarder. I had to go down. Je me suis rendu compte que c'était un tremblement de terre inhabituel. Je suis redescendu chercher mon fils pour qu'il assiste à cet événement exceptionnel. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à une telle aventure, mais je n'étais pas trop inquiet. Entre le moment où la secousse vous a réveillé et celui où vous avez vu quelque chose, quelle durée? Ça peut sembler long, mais en réalité, ça ne devait être que une ou deux minutes. Une minute ou deux, donc. Et qu'avez-vous vu, pour commencer? Je regardais dans cette direction quand mon regard fut attiré de ce côté-là. Alors j'ai vu comme l'explosion d'une bombe. J'étais hypnotisé par l'ampleur que prenait la vague. Vous vous êtes rendu compte de la hauteur? Non, non, c'était d'une hauteur qui dépasse l'imagination. Vous avez eu peur? Oh oui, je pensais que c'était la fin pour nous deux. Je regrettais d'avoir emmené mon fils. Et comment avez-vous réagi? Quand le jaillissement atteignit l'autre berge de la baie, je décidais de quitter l'endroit où nous étions ancrés. L'eau y était trop peu profonde pour absorber l'amplitude de la vague. Alors j'ai essayé de lever l'ancre sans y parvenir. La vague arrivait trop vite. La dernière vision que j'ai eue de cette vague, c'était à l'endroit où se trouve l'île. Ce n'était qu'un mur noir, composé de débris et complètement vertical. 80 pieds, quelque chose comme ça.
Les deux bateaux étaient là-bas. Ils ont été transportés au-dessus de la langue de terre. Quand ils ont vu arriver la vague, le premier a réussi à lever l'ancre et sortir de la baie. L'autre ne parvint pas à faire partir son moteur. Il resta là ancré et la vague le projeta au-dessus de la langue de terre. Je me souviens, il y avait des arbres sur cette péninsule à l'époque. Ils sont passés au-dessus de la cime des arbres. C'est la dernière fois que je vis leur bateau. C'est donc bien vrai. Ils sont passés par-dessus le sommet des arbres. Ceux du premier bateau survécurent après bien des péripéties. Oui, rattrapés par la vague, leur bateau a sombré. Leur bateau ne passa jamais la crête. Ils étaient la poupe en avant, dans le creux de la vague, qui déferla sur eux. Ils descendirent si profondément sous l'eau qu'il faisait noir et ne pouvaient rien voir. Les buissons qui ont poussé en ces 25 dernières années cachent désormais la majeure partie des troncs que la lame gigantesque avait arrachés par dizaines de milliers. Mais on en distingue encore assez pour donner une idée, un quart de siècle après l'événement, de cette incroyable hécatombe. On distingue aussi, à la différence de taille et à la différence des verts, plus sombres ceux des vieux arbres, plus clairs ceux des buissons nouveaux, la trace de la lame, ici, à 8 km de son point de départ au fond de la baie, et qui avait encore plus de 30 mètres de haut. L'Alaska est un des pays les plus sismiques du globe parce qu'il se trouve à la frontière entre la plaque tectonique, encore une fois, de l'Amérique du Nord et celle du Pacifique oriental. Et je me suis retrouvé donc là et dans la Pérouse et dans les tremblements de terre qui me passionnaient moi depuis que j'avais étudié les effets et recherché les causes un petit peu du colossal tremblement de terre du 20 mai 1960 au Chili, le tremblement de terre qui avait fait des dizaines de milliers de victimes, qui avait ravagé mais complètement tout le sud du Chili, qui est le tremblement de terre le plus violent en ce siècle au monde, puisqu'il atteint la magnitude 8,7, ce qui est absolument monstrueux. Le tremblement de terre qui est donc l'une des catastrophes naturelles qui frappe notre planète, qui est peut-être la pire, je la crois en réalité, plus terrifiante encore que les tornades et les cyclones, qui sont cependant quelque chose d'effrayant, plus que les inondations, plus que les éruptions volcaniques. Le tremblement de terre est l'une des manifestations par lesquelles notre planète exhale sa colère. Il en est hélas bien d'autres. Inondations, tornades, avalanches, cyclones, éruptions, effondrements. Et nous en verrons quelques aspects dans notre prochaine émission.